Donc le cours est le Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël et Shlomit, Raphaël ben Yaakov, Ethan ben Raphaël, Eliyahu ben Shelbiya, Jini Shmatam Trua Mitzrachim, Refoa Shelema le, Smicha bat Yasmina, Mesauda Tova Chaya bat Sara, Mesaoud ben Shlomo, Israël ben Yosef, Virginie Cohen, Nejma bat Menana, Yoshua Shalom, Menaché ben Shmuel. Envoyez-moi lundi matin. Alors, donc, on va étudier une, en réalité un tout petit passage de la paracha de Vayetse. En réalité, dans cette sikha, on va essayer de comprendre un peu, parce qu'on sait très bien qu'il y a, il y a un adage chassidique qu'on tient depuis le Baal Shem Tov, qui a été marqué noir sur blanc des enseignements de nos maîtres. Mais le Baal Shem Tov, il a mis énormément l'accent sur ça, la notion d'Ashgacha Prati, de providence divine. Qu'en réalité, que tout ce qui arrive dans le monde a un sens, c'est régi par Dieu, et rien n'arrive par hasard. Lorsqu'on observe un peu la génération dans laquelle on est, on remarque que dans les dernières générations, il y a eu ce qu'on appelle l'émancipation des femmes, c'est-à-dire que les femmes ont recherché à avoir leurs droits, ont recherché à avoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et surtout dans ces générations, ont montré que elles aussi, elles ont droit à la parole, elles aussi, elles doivent être écoutées, etc. La question qu'on peut se poser, et que je me semble qu'on peut trouver la réponse dans cette sikha du Rabbi, c'est que pour quelle raison ça s'est en particulier développé dans ces dernières générations? Pourquoi précisément maintenant on entend beaucoup plus parler de la place de la femme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et qu'elles aussi ont droit à la parole, plus que dans les premières générations? En réalité, pour répondre à cette question, on va essayer de s'intéresser à un tout petit épisode de notre paracha. Déjà, on va faire un petit rappel de la paracha. Dans notre paracha, donc, Yaakov, il a quitté Beersheva, il a quitté l'endroit où vivaient ses parents, parce qu'il a pris conscience que Esav voulait le tuer, parce qu'il a pris la bracha à sa place. Donc, il va chez Haran, chez son oncle Lavan, et il se marie avec ses cousines, donc avec Léa d'abord, ensuite avec Rachel. Donc, il travaille cette année pour se marier avec Rachel, mais enfin, quand Lavan le trompe et lui donne Léa à la place. Ensuite, il travaille encore 7 autres années pour Rachel. Et en fin de compte, il travaille encore 7 années pour son propre bétail, pour justement son propre gagne-pain. À la fin de la paracha, on voit que Yaakov quitte justement son oncle Lavan parce qu'il voit que Lavan il commence à se comporter avec lui pas comme il se comportait au départ, mais il commence à le tromper, il le ruse, il commence à chaque fois à changer les conditions du contrat à chaque fois, des centaines de fois. Donc à un moment donné, il a un peu ras-le-bol, il part, surtout qu'Hachem lui promet « quitte cet endroit, tu es avec quelqu'un qui est impur, donc je ne peux pas dévoiler ma shrina en sa présence, quitte cet endroit, retourne dans la terre de tes ancêtres et là-bas je résiderai parmi toi ». Et donc, on voit que lorsque Yaakov quitte Lavan, le verset nous dit « Vayakom Yaakov, Vaïssa et Banav et Nashav à la Gemalim ». Donc Yaakov s'est levé, il a pris ses fils et ses femmes sur les chameaux. Donc, il a pris ses fils, il l'a mis sur les chameaux. Ensuite, il a pris ses femmes, il l'a mis sur les chameaux. Très bien. Rashi s'attarde sur ces versets-là. Il rapporte les mots « ses fils et ses femmes ». Et Rashi de nous dire « Igdim Srarim Lenekavot », il a fait passer les garçons avant les filles, donc ses enfants, les fils, les 11 tribus, parce que Binyamin n'était pas encore né, avant ses propres femmes, Ve Esav, Igdim Nekavot les Echarim, alors que Esav, lui, dans la paracha de Vaishlach, de la semaine prochaine, lui fera précéder les femmes avant le garçon, comme c'est marqué, Veikar Esav et Nashav et Banav et Gomer, que Esav il a pris ses femmes et ses fils. Lorsqu'il va s'installer sur sa terre Esav, après toute la rencontre avec Yaakov et Esav dans la paracha de Vaishlach, on voit que Esav aussi part en voyage pour aller s'installer, et on dit qu'il prend ses femmes et ses fils. Et donc Rashi met en avant la différence entre le comportement de Yaakov et celui d'Esav. Yaakov, a priori, fait précéder ses fils avant ses femmes, alors que Esav fait précéder ses femmes avant ses fils. Ça paraît tout à fait anodin, mais il est évident que dans la Torah, tout est précis. Le fait que la Torah a voulu préciser que Yaakov, il a pris ses fils, il a mis ses fils, après il a mis ses femmes, au lieu de dire tout simplement, mais il a pris sa famille. Et la Torah a précisé que Esav, il a fait d'abord passer les femmes avant les fils, ça prouve qu'il y a un enseignement ici à tirer. Et Rashi relève la problématique. Alors, d'un point de vue du langage de Rashi,
Il semble que toute l'intention de ce commentaire, c'est justement de relever la différence. Yaakov s'est comporté d'une certaine manière, Esav s'est comporté complètement à l'opposé. Mais comme on l'a souvent étudié, normalement Rashi, lorsqu'il relève une problématique dans la Torah, il le relève au moment où apparaît la problématique. Lorsqu'on a des différences entre une situation et une autre, où est-ce que la problématique apparaît ? Lors de la première situation ou lorsque la deuxième situation apparaît et qu'on voit qu'elle était différente de la première ? Lors de la deuxième. C'est justement lorsqu'arrive la deuxième situation, on voit qu'il y a une modification par rapport à la première, que là, on voit que c'est pas pareil qu'avant. Donc là, on devrait relever la différence. Donc normalement, entre le fait que Yaakov fasse passer ses fils avant ses femmes et que Esav, dans la paracha de la semaine prochaine, fasse passer ses femmes avant ses fils, où apparaît la différence dans la paracha de la semaine prochaine. Donc Rashi aurait dû attendre. Ici, il n'y a pas de problème à soulever que Yaakov fasse passer ses fils avant ses femmes. Et on voit qu'Esav a fait passer ses femmes avant ses fils. Ah, c'est bizarre, c'est pas pareil que Yaakov. C'est là que Rashi aurait dû intervenir. Pourtant, Rashi intervient dans notre paracha dès que Yaakov fait passer ses fils avant ses femmes. Donc, a priori, il semblerait que si Rashi intervient immédiatement, c'est que ça voudrait dire que le problème n'est pas en opposition par rapport à Esav, mais le comportement même de Yaakov est problématique. Comment Yaakov a pu faire passer ses fils avant ses femmes. On va laisser de côté cette question, on va rentrer encore plus dans les détails. Dans les paroles même de Rashi, il n'explique aucunement les raisons. Il dit « Yaakov s'est comporté ainsi, Esav s'est comporté autrement. » Point. Et donc, Rashi n'explique rien. Ni pourquoi Yaakov l'a fait précéder ses fils avant ses femmes, ni pourquoi Esav l'a fait précéder ses femmes avant ses fils. Mais si toi, Rashi, tu relèves un problème, bah explique le problème. Explique pourquoi Yaakov s'est comporté de cette manière-là et pourquoi Esav s'est comporté d'une autre manière. Non, Rashi juste les soulève. Yaakov l'a fait passer ses fils avant les garçons avant les filles et Esav les filles avant les garçons. Point. Et ça nous aide en quoi à comprendre le texte ? Ça nous aide en quoi à comprendre le comportement de Yaakov et celui de Esav ? Rien. Ok, il y a un problème, et on fait quoi avec ce problème? Bah, Rashi, tu nous as pas résolu ce problème. Rashi, il est pas là juste pour mettre en avant des problématiques. Rashi est là pour solutionner des problèmes du sens simple du texte. Mais là, il solutionne rien. Il crée des questions. Nous, quand on lit le texte comme ça, bah, pas forcément, on se serait posé la question. Peut-être que dans la paracha de Vayishlach, on se serait posé la question. Parce qu'on se serait souvenu ce qu'on avait étudié dans la paracha de Vayitseh. On voit que Esav s'est comporté différemment de Yaakov. Mais là, bah, pas forcément se poser de questions. Et donc là, Rashi intervient, il lui dit, tu sais, Yaakov s'est comporté différemment de son frère Esav, et c'est tout. Et il faudrait nous expliquer. Alors les commentateurs de Rashi, parce qu'on sait que Rashi c'est un commentaire sur la Torah, mais tellement que Rashi est profond, il cache des choses, que Rashi lui-même, il a des commentaires. Il a des centaines de commentaires sur Rashi lui-même. Et les commentateurs de Rashi expliquent en réalité qu'est-ce qui se cache derrière. Esav, lui, il a fait précéder ses femmes avant ses fils. Pourquoi ? Parce que pour lui, ses femmes, c'était l'essentiel. Et qu'en réalité, avoir des enfants, c'est pas ce qu'il recherchait. Lui, ce qu'il recherchait, c'était un homme à femme, il voulait aller avec des femmes. Et c'est uniquement parce que les femmes d'Esav voulaient avoir des enfants qu'il en a eu. Mais si ça ne tenait qu'à lui, c'est pas ça qu'il recherchait. Lui, ce qu'il recherchait, l'essentiel, c'était d'être avec des femmes. Mais pas forcément avoir des enfants. Yaakov, lui, pas du tout. Il s'est marié uniquement pour avoir les 12 tribus. Alors évidemment qu'il s'est marié, parce que s'est marié c'est important, on peut pas vivre seul, etc. Mais ça veut dire que son intention première n'était pas d'avoir des femmes, mais de construire le peuple juif. Et pour construire le peuple juif, évidemment, il faut avoir les 12 tribus. Et donc, puisque l'intention première de Yaakov, c'était d'avoir les 12 tribus, c'est pour cette raison qu'il a fait précéder ses fils avant ses femmes, parce que c'était ça son intention première. Alors que Esav, lui, étant donné que son intention première n'était pas du tout d'avoir des enfants, mais d'avoir des femmes. C'est pour cette raison qu'il a fait d'abord passer les femmes avant les fils. Donc c'est ce que donnent les commentateurs de Rashi pour expliquer les différences de comportement entre Yaakov et Esav en fonction de ce qu'ils considèrent comme étant essentiel dans leur vie. Pour Yaakov, l'essentiel c'était d'avoir les 12 tribus. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'on commence à voyager et qu'on va installer les personnes sur les chameaux, je fais d'abord passer l'essentiel à mes yeux et a priori ces femmes en second lieu. Et ça, c'est le contraire. Pour lui, l'essentiel, c'était ses femmes. Les enfants, ils s'en foutaient complètement. C'est pas ça ce qu'il recherchait. Et donc, il s'est d'abord occupé de ses femmes avant de ses enfants. Mais d'après cela, on comprend pourquoi Rashi, en réalité, n'a pas expliqué.
Pourquoi? Parce que tout a déjà été expliqué dans les parachiotes, dans les commentaires précédents. On sait très bien que Rashi intervient lorsqu'il y a un problème qui apparaît dans les versets. Et s'il n'intervient pas, c'est que soit il n'y a pas de problème, soit il l'a déjà résolu dans ses anciens commentaires ou dans les anciens versets, on a déjà la solution au problème. En réalité, dans les anciens commentaires, on nous avait déjà expliqué que le comportement d'Esav. On nous dit dans la paracha de la semaine dernière que Esav s'est marié à 40 ans. Soit disant, il voulait faire comme son père. Mon père s'est marié à 40 ans, je vais faire comme mon père Yitzhak, je me marie à 40 ans. Que nous dit Rashi? Il n'a pas attendu 40 ans pour aller avec des femmes. Il est allé avec des femmes qui étaient mariées. Il avait des relations avec elles. Mais pour faire le beau devant son père, il a attendu 40 ans, il s'est marié avec des femmes, et il a recherché des femmes qui avaient des noms élogieux, Yehoudit, oh, la juive, Basmat, le parfum, alors qu'ils avaient des comportements complètement catastrophiques. Mais Esav voulait faire, justement, donner bonne impression à son père, mais évidemment derrière, il était déjà allé avec des centaines de femmes, pas seulement des femmes célibataires, mais même des femmes qui étaient déjà mariées. Donc Rashi nous avait déjà expliqué que Esav, c'est un homme à femme, et c'est ça qu'il recherchait. Il ne cherchait pas du tout, l'essentiel de ses intentions n'était pas du tout de se marier. Et aussi, à l'opposé, le comportement de Yaakov. Rashi nous a dit que Yaakov ne s'est marié uniquement pour avoir des enfants, pour établir les 12 tribus. Comme on le voit, que Yaakov s'est marié lorsqu'il avait 84 ans. Assez tardivement. Et donc, lorsque Yaakov il arrive à cet âge-là, il s'est dit « Et ma taille est mi, Dieu de Bejvatim, quand est-ce que je vais avoir les 12 tribus ?» Si j'attends, j'attends, je ne peux plus avoir d'enfants. J'arrive à 84 ans, il faudrait quand même que je m'occupe de ça. Et donc, on voit de là que, et il dit ça à Lavan, je viens vers toi parce qu'il faut que je me marie pour établir les 12 tribus. Et donc, c'est comme ça qu'ensuite, il demande à Rachel, ensuite, il obtient Léa, etc. Pour quelle raison Yaakov, il a attendu tout ce temps? Parce qu'évidemment, qu'avant, pendant 14 ans, il était en train d'étudier jour et nuit dans la yeshiva de Shem Ever. Lorsqu'il a quitté le foyer de son père et de sa mère, il est resté 14 ans en train d'étudier jour et nuit, même sans dormir, pendant 14 ans, pour étudier la Torah. Et c'est uniquement après qu'il a commencé à chercher à se marier, en allant se marier avec ses cousines. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'en réalité, Rashi n'a pas forcément besoin d'expliquer le comportement des Esav et de Yaakov. On comprend déjà tout simplement avec les commentateurs qu'il nous a déjà dit auparavant dans notre paracha plus tôt et dans la paracha la semaine dernière. Esav, c'est un homme à femme. Yaakov, c'est quelqu'un qui recherche les enfants. Et donc, on comprend pourquoi Yaakov fait précéder les enfants avant ses femmes, et ils savent ses femmes avant les enfants. Ok. Mais c'est pas très clair. Parce que qu'est-ce que Rashi... Ok. Donc, Rashi, il n'a pas besoin de donner une raison à son commentaire. Et la question qui se pose, c'est, mais qu'est-ce que tu rajoutes, Rashi Bichlal? Qu'est-ce que tu viens donner de nouveau? Tu ne fais que nous rapporter ce qu'on voit déjà de le sens simple. Rashi nous dit, Yaakov a fait précéder les garçons avant les filles, et ça va faire précéder les filles avant les garçons. Ben, on sait lire. On voit très bien que Yaakov, il a pris les fils sur les chameaux et les femmes sur les chameaux, et ça, les femmes sur les chameaux, les filles sur les chameaux. Qu'est-ce qu'on a besoin de toi, Rashi, pour nous dire ce qu'on sait déjà en lisant tout simplement le verset? Donc même si on a expliqué pourquoi Rashi n'a pas besoin de donner des raisons, mais Rashi n'a même pas besoin d'intervenir. L'opposition entre le comportement de Yaakov et celui des Esav, il est flagrant. On le voit déjà dans le sens même des versets. Il faut aussi comprendre autre chose. C'est qu'il semblerait dans le commentaire de Rashi, c'est que pour lui, Yaakov, les garçons passent avant les filles. Seulement, dans d'autres passages dans la Torah, on voit que Yaakov s'est comporté autrement. Quand Yaakov, dans la paracha de la semaine prochaine de Vayishlach, il va se mettre à voyager pour aller à l'encontre de son frère Esav, que nous dit les versets? Vaikach et chete nashav, ve chete shifrotav, ve techad esa yeladav. Yaakov a pris ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants. Et donc Yaakov fait précéder les femmes. Aussi, dans notre paracha, Yaakov, lorsqu'il demande à Lavan de le laisser partir, il dit « Shalcheni velecha, laisse-moi partir, je partirai. » Que lui dit Rashi, que dit Yaakov? « Tanait nashav et tinyadad, donne-moi mes femmes et mes fils et mes enfants. » Donc il fait précéder les femmes avant les enfants. Et aussi Moshe Rabbeinu lui-même, lorsqu'il doit partir de Midian après qu'il a eu la discussion avec Dieu, avec le buisson ardent, et que Dieu lui dit « Maintenant, va en Égypte pour libérer mon peuple. » Donc il quitte Midian. «
Que nous dit les versets? Veikach Moshe et Ishto vet banav. Moshe a pris sa femme et ses fils. Donc il a fait précéder sa femme avant les enfants. Donc, si on veut louer Yaakov de son comportement d'avoir fait passer les garçons avant les filles, il faudrait déjà expliquer pourquoi c'est digne de louange. Et tu veux, et Rashi veut nous dire que c'est ça le comportement de Yaakov, au point qu'on voit que Esav s'est comporté complètement à l'opposé. On sait qu'Esav, c'est un rachat, Yaakov, c'est un tzadik, donc forcément, le comportement à avoir, c'est d'avoir celui de Yaakov, et le comportement à ne pas avoir, c'est celui de Esav. Pourtant, on voit que Yaakov, à deux reprises dans la Torah, il a fait tout à fait le contraire. Parachat Vaishlar, il fait passer ses femmes avant ses enfants. Dans notre parachat, il demande à Lavan, laisse-moi partir et donne-moi mes femmes et mes enfants. Il fait passer les femmes avant les enfants. Et Moshe Rabbeinu lui-même, dans la même situation que Yaakov, où il doit voyager, et donc émettre sa femme et ses enfants sur les chameaux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord passer sa femme avant ses enfants. Et Rashi intervient nulle part. Rashi, dans aucun de ses versets, il dit, ah oui, c'est différent par rapport à ce qu'on avait dit Yaakov, et Rashi donne des explications. Il explique rien. Aucune intervention. Rashi n'intervient que dans le verset qu'on a rapporté, où Yaakov fait précéder les fils avant les femmes, mais lorsque Yaakov fait précéder les femmes avant les fils, ou lorsque Moshe Rabbeinu fait précéder sa femme avant les fils, Rashi intervient pas. Donc pour Rashi, il n'y a pas de problème à faire précéder les femmes avant les fils, mais quand est-ce qu'il intervient? Lorsque Yaakov fait précéder les fils avant les femmes. Donc si il intervient là, c'est que c'est un comportement bizarre. Si c'est un comportement bizarre, pourquoi tu le mets en opposition à celui d'Esav? Donc on en déduit que le comportement d'Esav, c'est pas celui qu'il faut avoir. Donc celui de Yaakov, c'est celui qu'il faut avoir. Mais on voit que Yaakov, dans d'autres situations, il n'a pas eu ce comportement-là. Et Moshe Rabbeinu lui-même ne l'a pas eu. Comment comprendre? Alors même s'il est vrai que les commentateurs de Rashi, etc., prennent du temps pour expliquer pour quelles raisons dans tel endroit Yaakov et ses comportements ainsi, Moshe Rabbeinu, ils expliquent les différences entre toutes ces situations-là. Mais après que Rashi a dit tout simplement que Yaakov a fait précéder les garçons avant les filles, ça veut dire que c'est le comportement à avoir pour un tzadik. Donc comment Rashi il a pu se taire dans tous ces endroits-là sans expliquer clairement pourquoi ici ces autres personnages, Yaakov et Moshe Rabbeinu, n'ont pas suivi la démarche à suivre? Parce qu'a priori, dans notre commentaire qu'on est en train de s'intéresser, il y a comme, on a l'impression que Rashi est en train de définir, voilà le comportement d'un tzadik. Et Moshe Rabbeinu, c'est pas un tzadik. Comment tu peux laisser comme ça sans intervenir Rashi? Alors, en réalité, on peut dire que Rashi répond à tout ça, parce que Rashi est extrêmement précis. Il dit peu, mais avec juste les mots qu'il utilise, il répond à tout. Qu'est-ce que Rashi a dit, si on s'intéresse vraiment aux mots qu'il a employés? Rashi a dit que Yaakov, il a fait précéder les garçons avant les filles, et Esav, les filles avant les garçons. Mais dans le verset, on ne parle pas de garçons et filles. Dans le verset, on parle des fils et des femmes. Donc normalement, Rashi t'aurait dû dire, Yaakov, il a fait précéder ses fils avant ses femmes, et Esav a fait précéder ses femmes avant ses fils. Non. Rashi, il change. Il explique les intentions qui se cachent derrière. Rashi nous dit que Yaakov a fait précéder les garçons avant les filles et Esav a fait précéder les filles avant les garçons. Dans le sens que dans l'optique de Yaakov, pourquoi Yaakov s'est comporté ainsi? Parce que pour lui, un garçon, a priori, devrait passer avant une fille. Et Esav, pour lui, une fille devrait passer avant un garçon. Pour quelle raison Rashi change? Parce qu'ici, Rashi veut nous clarifier que, évidemment, que Yaakov ne donnait pas plus d'importance à ses enfants qu'à ses propres femmes. Parce que ça, c'est tout le contraire de la pensée de la Torah. L'ordre des choses, c'est quoi? C'est qu'un homme devrait donner préséance à sa femme avant ses enfants. Parce que déjà, c'est sa femme. Et comme c'est marqué dans la Lacha, qu'un homme, comme c'est marqué, si vous chachamim, les chachamim ont ordonné, shiyadam, mechabed et tishto, qu'un homme doit respecter sa femme, yoter migoufo, plus que soi-même. C'est la Lacha. On doit respecter notre femme plus que nous-mêmes. Donc si on doit respecter notre femme plus que nous-mêmes, comment Yaakov pourrait laisser passer ses femmes après ses enfants? De plus, ces femmes, ce sont les mères de ces enfants-là. Donc il y a devoir avoir un respect d'enfant à mère. Donc comment Yaakov, qui doit éduquer ses enfants,
Et donc évidemment que comme tout père, on doit éduquer nos enfants à respecter ses parents, y compris nos propres épouses. Comment il peut éduquer ses enfants en faisant passer ses enfants avant les femmes? Qu'est-ce qu'ils vont comprendre les enfants? Ben, on est supérieur à nos mères. Ben, nos mères n'ont pas si autant d'importance que ça. La preuve, Yaakov, il nous fait passer avant nos mères. Donc c'est totalement le contraire de ce que normalement on devrait inculquer à nos enfants. Imaginons que à la maison, on voit notre enfant, Chazé Shalom, qui parle mal à notre femme. Un père qui ne réagit pas, c'est une catastrophe. C'est que dans la pensée de l'enfant, ben, je peux me permettre de parler à ma mère comme je veux. Un père, il doit immédiatement réagir et de dire qu'on ne parle pas comme ça, tu ne parles pas comme ça à ta mère. Même si, je précise, même si dans cette situation, le mari l'enfroid avec sa femme. Et que des fois, des maris se disent « j'enfroid avec ma femme, ben, je ne vais pas la défendre ». Non. Il y a les histoires de couple et il y a l'éducation des enfants. Lorsqu'on doit éduquer nos enfants, si un enfant se comporte mal avec la mère, le mari doit réagir. Et inversement, évidemment, que si un enfant se comporte mal avec le père, la femme doit réagir pour montrer qu'il y a un respect à avoir. Donc, étant donné que... Et donc, en réalité, évidemment, que c'est pour cette raison que Rachi intervient ici et change le mot du texte. Yaakov n'a pas pu faire passer ses enfants avant ses femmes. Ça serait tout le contraire de l'éducation qu'on est censé donner à nos enfants. Ils ont le devoir de respecter leur mère. Donc, à leurs yeux, on devrait faire passer la mère avant les enfants. Alors, pour quelle raison Yaakov s'est quand même permis de se comporter de la sorte? Parce qu'il n'a pas fait passer les enfants avant les mères. Il a fait passer les garçons avant les filles. Pourquoi? Parce que dans la vie et dans l'optique de vie de Yaakov, les garçons sont l'essentiel. On va l'expliquer après pourquoi. Mais dans la vision d'un homme, le masculin devrait être l'essentiel. Et le comportement féminin devrait passer en secondaire. On va l'expliquer après. On ferme la parenthèse. Et c'est pour cette raison, en réalité, que dans tous les versets, on voit que Yaakov, il a fait précéder les femmes avant les enfants. Rachid n'a pas besoin d'intervenir. Mais parce que c'est tout à fait évident que Yaakov fasse passer sa femme avant les enfants lorsqu'il demande à Lavan de partir, qu'il fasse passer les femmes avant les enfants lorsqu'il s'apprête à rencontrer Esav, que Moshe Rabbeinu fasse passer sa femme avant ses enfants lorsqu'il quitte Midian, mais parce que Rachid n'a pas besoin d'intervenir dans une situation qui est normale. Qu'on fasse passer la femme avant les enfants, c'est normal. Parce que par respect vis-à-vis de la mère, on doit inculquer à nos enfants qu'il y a un respect, elle passe avant. Donc Rachid n'a pas besoin d'intervenir dans ces moments-là. Quand est-ce que Rachid a besoin d'intervenir? Lorsque c'est le contraire de la logique. Et quand est-ce que c'est le contraire de la logique? Lorsqu'on voit que Yaakov a fait passer les enfants avant la mère. Qui est totalement illogique. Et là, Rachid intervient et nous clarifie que non. Faut pas croire que ici Yaakov a fait passer les enfants avant les mères. Mais Yaakov a fait passer les enfants avant les mères, non pas parce que les enfants ont plus de valeur que les mères, qui est tout à fait le contraire de la logique, mais parce que c'est des garçons. Et qu'aux yeux de Yaakov, les garçons ont plus de valeur que les filles. On va expliquer pourquoi. Très bien. Évidemment que la question ne se pose pas vis-à-vis des fils, comment les fils ont pu laisser que eux, ils montent d'abord sur les chameaux avant leur mère, parce qu'en réalité, c'est leur père qui leur ont demandé. Ils vont pas refuser. Donc, ils ont écouté les indications du père. Ils ont suivi. Donc, c'est pas sur eux que se pose la question. C'est sur Yaakov. Maintenant, la question qui se pose, c'est que pourquoi ici, Yaakov, il a changé ces choses-là? Si tu considères que les garçons ont plus grande importance que les filles. Donc, pourquoi ici, tu as considéré qu'il fallait mettre l'accent sur ça et pas dans les autres situations? Alors, dans la note, le rabbi explique que la raison est qu'à ce moment-là, on parle que Yaakov, il a quitté la maison de Lavan pour revenir sur la terre de ses ancêtres. Ça veut dire qu'il va commencer à s'installer et à commencer à vivre. Quand il était chez Lavan, il a construit. Maintenant, ensuite, il va quitter cet endroit de construction pour s'installer et commencer à vivre. Ça veut dire commencer à accomplir sa mission, commencer à être ce qu'il est censé être. Yaakov, lorsqu'il commence à accomplir ce qu'il est censé être et à commencer à s'installer, à dévoiler toute son identité, eh bien forcément, il va mettre plus de place au masculin qu'au féminin, parce que Yaakov, en tant qu'homme, se doit de mettre plus d'importance à la vision masculine qu'à la vision féminine. Et donc, puisque là, il est orienté à commencer à s'installer,
Il n'est pas nomade, il n'est pas en voyage. Là, il va commencer à s'installer. Donc, puisqu'il commence à s'installer, il doit avoir une idéologie qui adhère à ce moment d'installation. Et au moment où il va s'installer, il va commencer à être qui il est censé être. Alors que jusqu'à chez Lavanne, évidemment, c'était un personnage extraordinaire. Mais c'est un moment de construction pour se marier, pour avoir des enfants, etc. Et après qu'il a obtenu tout ça, il va s'installer en Eretz Israël. Mais au moment de l'installation, il devait avoir une idéologie qui adhère à sa mission. Et vu que c'est un homme, donc pour un homme, l'idéologie est que normalement, le masculin doit prévaloir sur le féminin. C'est pour cette raison qu'il a, à ce moment-là, fait passer les garçons avant les filles. On n'a toujours pas expliqué pourquoi pour un homme ça doit fonctionner ainsi, mais pour l'instant, on garde ça en tête. Mais Rachid, ça ne suffit pas de ça. On aurait pu dire, ici, le verset parle de Yaakov, qui a fait précéder les garçons avant les filles. Donc Rachid aurait pu tout simplement dire, Yaakov a fait précéder les garçons avant les filles. Et donc on comprend pourquoi il a fait passer les enfants avant les femmes. Non pas parce qu'il laisse plus d'importance aux enfants par rapport aux femmes, mais parce que pour lui, les garçons ont plus d'importance que les filles. Non, Rachid rajoute, et ils savent, il a fait passer les filles avant les garçons. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans le comportement de Yaakov, il n'y a pas de grand ridouche, il n'y a pas de grande nouveauté. De ce qu'on connaît de Yaakov, c'est normal qu'il fasse passer les garçons avant les filles. C'est un garçon après tout. Donc, où est l'étonnement qu'il fasse passer les garçons avant les filles ? Il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté, ça va être chez Esav. Pourquoi ? Rachid continue. Esav fait passer les filles avant les garçons. Pourquoi ? Parce que ici, Rachid voulait mettre l'accent entre le comportement qui est différent entre celui de Yaakov et celui d'Esav. Pour nous clarifier pourquoi Esav s'est comporté ainsi. Parce que lorsqu'on étudie le comportement d'Esav, il a pris ses femmes et ses fils, on aurait pu dire qu'en réalité, Esav a fait précéder les femmes avant les fils, pas parce qu'il était galant, pas parce que c'était un gentleman, mais parce qu'on l'a vu que c'était quelqu'un qui respectait énormément son père. Il était tout le temps respectueux de son père, il voulait se marier en même âge que lui, il lui chassait pour lui, il lui posait des questions de halakha. Il est resté à côté de lui lorsque Yaakov il a quitté la maison. Il attendait que son père puisse quitter ce monde pour aller à l'encontre de Yaakov. Donc Esav, c'était quelqu'un qui mettait énormément d'importance au respect. Donc puisque Esav était quelqu'un qui mettait énormément d'importance au respect, donc quand il a laissé, il s'est d'abord occupé de ses femmes avant ses fils, parce que tout simplement, il voulait inculquer à ses enfants le respect. Le respect des parents. Vous les enfants, vous passez après. D'abord la femme. Rachid dit non, on parle d'Esav. Rachid intervient et lui dit non. Esav, il n'a pas fait passer les femmes, les mères avant les fils. Il a fait passer les filles avant les garçons. Parce que Esav considérait que le féminin a plus de valeur que le masculin. Et là, on va expliquer. Je me permets de rapporter un passage du Maharal de Prague pour essayer de comprendre un peu le pourquoi Yaakov pensait ainsi, pourquoi un homme devrait penser ainsi. Ce qu'on va essayer de comprendre à travers le Maharal de Prague, c'est que pourquoi c'est si catastrophique et si mal vu ce que Esav a fait de faire passer les filles avant les garçons, et si bien vu ce que Yaakov a fait de faire passer les garçons avant les filles. Alors on va s'intéresser à un commentaire du Maharal de Prague sur Pirkei Avot. Au premier chapitre de Pirkei Avot à la Mishnah 5, il y a un passage qui est assez fort. Que nous dit nos chachamim dans Pirkei Avot ? Ils nous disent « Al tarbe sicha imaisha, ne parle pas trop avec la femme, beishto amru » et on parle de notre propre femme. « Kalva chomer beishet ravero » et à plus forte raison avec la femme de notre ami. Donc déjà, il ne faut pas trop parler avec sa femme. Il y a plus forte raison avec les femmes des autres. « Ikan amru chachamim de la nos sages disent » Kolzman, Shadam, Marbesi, Chaimaïcha, qu'à chaque moment où un homme parle trop, donc avec sa femme, Gorem Ra'al Atzmo, il entraîne le malheur sur lui, au Botel Midjivre Torah, il n'étudie plus la Torah, Vesofo Yoresh Geinom, il va finir au Geinom. Donc évidemment, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Ce que nous disent nos maîtres, c'est extrêmement profond. Et le Maharal de Prague va nous clarifier. Le Maharal de Prague nous explique que
Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme différents parce que l'homme et la femme ont un rôle différent à jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a un rôle à jouer, chacun a une place, et chacun doit avoir une grande importance en tant qu'homme, pour un homme, et une femme en tant que femme. Dans la relation entre un homme et une femme, le Maharal de Prague nous explique, comme s'expliquait aussi longuement dans d'autres langages dans la Chassidoute, c'est que le monde, il a été créé sous deux choses. Chaque chose, il est partagé en deux éléments, ce qu'on appelle la Tsura et le Chomer. La Tsura, c'est la forme, et le Chomer, c'est la matière. Toute chose a une matière, et qu'on lui donne la forme pour que la matière puisse se réaliser et accomplir son but. Donnons un exemple, un verre. Il est en carton, c'est la matière. Maintenant, pour que ça soit un verre, il faut que je lui donne la forme d'un verre. Si je ne lui donne pas la forme d'un verre, ce n'est plus un verre. Donc, chaque chose, il a la matière qui lui permet d'exister et la forme qui lui indique le but de son existence. Eh bien, dans la relation entre un homme et une femme, l'homme a pour rôle d'être la tsura, la forme, l'esprit, et la femme a pour rôle d'être la matière, ce qui est concret. Comme on voit dans d'autres langages, comme on va l'expliquer après, que l'homme, il a pour rôle d'être le cerveau et la femme a pour rôle d'être le cœur. Ça ne veut pas dire que le mari n'a pas de cœur ou que la femme n'a pas de cerveau, mais dans la relation du couple, quelle est l'idée ? C'est que chacun a son rôle qui lui est propre et chacun doit jouer ce rôle-là. Ça signifie que lorsqu'une personne, lorsqu'un homme dévie de son rôle de tsura, d'être la forme, d'être l'esprit, et empiète dans le domaine de la femme, et d'adopter un comportement de matière, on va expliquer, il n'existe plus. Il se détruit. À l'inverse, une femme qui quitte son rôle d'être la matière et d'empiéter dans le rôle du mari d'être l'esprit ou la forme, elle n'existe plus en tant que femme. Elle perd son rôle, elle perd sa place. Et donc, en réalité, pour un homme, de tendre vers la pensée féminine, c'est ne plus exister. C'est destructeur pour lui. Ou la femme, de tendre vers la pensée masculine, c'est destructeur pour elle. Pourtant, la femme n'est pas inférieure à l'homme, et l'homme n'est pas inférieur à la femme. Mais lorsqu'une personne quitte sa place, n'existe plus. Donc quand nos Chachamim nous disent qu'un homme ne doit pas trop parler avec sa femme, pour quelle raison ? C'est parce que lorsqu'un homme parle trop, et on va expliquer que ça dépend de quelle discussion évidemment, que lorsqu'un homme parle trop avec sa femme, dans la discussion, on adhère à la pensée de l'autre. C'est le propre d'une discussion, d'un débat, c'est qu'il y a une transmission d'informations, une transmission d'optique de vie, une transmission de vision, qui fait qu'à un moment donné, on va être influencé par la vision de l'autre. Lorsqu'un homme parle trop, on ne parle pas ici de ne pas parler. Les Chachamim sont très précis dans leur langage. Ils ne disent pas qu'un homme ne doit pas parler avec sa femme, Chas v'Shalom. Sinon, la maison l'explose, sinon il n'y a pas de couple, sinon il n'y a aucune réussite, ni dans la parnassa, ni dans le couple, ni dans l'éducation, dans rien. La réussite n'existe dans le foyer uniquement s'il y a le couple qui est en osmose, en harmonie. Évidemment, ça passe par la communication. Le problème, c'est parler trop. C'est-à-dire quoi, parler trop? C'est qu'on dépasse les bornes. Ça veut dire que l'homme se permet de quitter son statut d'homme et qu'il commence à adhérer à la pensée féminine. Et pour ça, c'est destructeur pour lui. Pourquoi? Parce que la forme, l'esprit, c'est immatériel. La forme, c'est immatériel. La matière, c'est matériel. Or, qu'est-ce qui est temporel? Qu'est-ce qui est limité au temps? La matière ou l'esprit? La matière, elle est limitée au temps. Toute chose qui existe physiquement est limitée au temps. Toute chose qui est matière est vouée à disparaître à un moment donné. Alors que l'esprit, la forme, elle est éternelle. Ce qui fait que lorsque l'homme qui est censé représenter l'esprit dans le couple, l'idée, les projets, et que la femme, justement, va aider le mari à pouvoir les réaliser. Parce que dans la vision d'un homme, il voit pas tous les détails que la femme voit. Demander à un homme de préparer une soirée, un événement, ou demander à une femme de préparer une soirée, un événement, l'homme, il va penser, bon, il faut à manger, il faut un orchestre, il faut une salle. La femme, la couleur, la taille, tout dans les détails. Ce que le mari n'a même pas imaginé penser. Et un événement préparé par un homme, un événement préparé par une femme, ça va être carré, ça va être magnifique lorsqu'il est préparé par une femme. Parce que tout va être vu dans les détails.
Parce que la femme a une capacité que l'homme n'a pas. Mais l'homme, lui, il a l'idée, il a les projets. La réalisation, c'est plus le propre du féminin. Donc, lorsque le mari, qui est censé être l'esprit, la forme, qui est immatérielle, eh bien, discute trop avec la femme, qui est matérielle, qui est matière, et vu que la matière est vouée à disparaître, donc le mari, en discutant trop avec la femme, et donc il adhère à la pensée de la femme, et donc il devient plus matière que ce qu'il est censé être, il les voit disparaître. C'est pour cette raison que les Chacham nous disent « Gorem ra l'action, il entraîne le malheur sur lui. » Mais parce que tu n'es plus toi-même. Imaginons un homme qui, il est extrêmement pointilleux, « Ah oui, chez moi, il faut qu'il y ait tel papier peint, il faut qu'il y ait telle ampoule. » Non, tu es en train de quitter ton rôle d'homme. Tous ces détails-là, c'est propre au féminin. Pourquoi tu mets ta tête là-dedans? Laisse ta femme de l'occuper de ça. Elle sait mieux faire que toi. C'est quelque chose qui correspond plus à sa nature. Pourquoi tu veux rentrer dans ces détails qui ne sont pas propres à ta nature? Tu es en train de quitter ta place. C'est ta maison aussi. Alors évidemment que ça ne montre pas la bassesse de la femme, parce que la femme, elle a été créée ainsi, elle a été créée matière. Et donc pour elle, ce n'est pas rabaissant d'être une femme. Justement, elle a toute son importance d'être ce qu'elle est, elle a son rôle à jouer. Mais pour un homme, de quitter son rôle d'homme et de tendre vers la féminité, c'est destructeur pour lui. Non pas parce que la femme est inférieure à lui, mais parce qu'il n'est plus lui-même. Il perd son identité. Et donc comme le dit le Maharal ici, il est évident qu'on n'est pas en train de diminuer l'amour qu'un homme doit porter pour sa femme. Devada yesh le'av ishtoke gufo. Un homme doit aimer sa femme comme soi-même. Et comme on a vu dans le Rambam, même on doit respecter notre femme plus que nous-mêmes. Ce n'est pas contradictoire. Le fait de ce qui a été dit ici par nos Chachamim et ce qui est marqué dans la Halakha, qu'on doit respecter notre femme plus que nous-mêmes. L'idée, c'est de se dire qu'on a été créé homme et donc on doit jouer notre rôle en tant qu'homme. Et donc, trop discuter, c'est perdre cette identité-là et donc c'est se détruire. C'est pour cette raison, après, il y a marqué « Obetem Idivrei Torah » et après, il n'étudie plus la Torah. Pourquoi ? Parce que comme on le voit, comme on le verra dans les mots du Rabbi, la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Vu que la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah, ça veut dire dans le rôle que Dieu lui a incombé, que Dieu lui a donné. Et dans sa vision de vie, l'étude de la Torah n'a pas autant d'importance que pour un homme. Donc dans sa vision du monde, dans sa discussion, elle ne sera pas empreinte d'une importance de l'étude de la Torah. Même si on voit aujourd'hui que même des femmes sont plus attirées par des cours de Torah que des hommes. Bon, parce que tout simplement, elles n'ont pas Yitzhara que nous, on a. Nous, on a Yitzhara de l'étude de la Torah parce qu'on a l'obligation de faire. Donc, des fois, on voit que des femmes sont plus attirées à assister à un cours de Torah que des hommes. Alors qu'elles n'ont pas l'obligation. Mais parce que juste puisqu'elles n'ont pas l'obligation, donc elles n'ont pas Yitzhara. Et donc, pour elles, c'est plus facile. Alors qu'un homme, vu qu'il a Yitzhara de l'étude de la Torah, c'est plus difficile. Mais on a plus, mais pour nous, ça a plus d'importance d'aller étudier la Torah. Mais ça n'empêche pas qu'elles essayent de le faire. Mais elles n'ont pas l'obligation. Mais puisque, dans leur optique de vie, l'étude de la Torah n'est pas obligatoire, alors que pour nous, elle est obligatoire. Quand on va trop discuter avec une femme, on va commencer à adhérer à une optique de vie où l'étude de la Torah n'est pas obligatoire. Et ce qui fait qu'en discutant avec elle, il n'y aura plus d'étude de la Torah. Et le Maranji, ce n'est pas du tout comme quelqu'un qui discute avec un ami de futilité. On pourrait dire, quelqu'un qui discute avec un ami de futilité, je ne sais pas, de match du foot, etc., il annule aussi les paroles de la Torah. Oui, mais après, il peut aller étudier la Torah. Le problème, c'est que quand on discute trop avec la féminité, on change notre optique de vie. Ce qui fait que peut-être après cette discussion, on n'ira jamais étudier la Torah parce qu'on a quitté la pensée masculine, on est rentré dans la pensée féminine. Et dans la pensée féminine, la place de la Torah n'est plus là parce qu'elle n'a pas l'obligation. Alors que si j'avais discuté avec un ami, homme, de futilité, pas de Torah. Certes, j'ai perdu mon temps, mais je n'ai pas adhéré à une manière de penser où la Torah n'a pas de place. J'ai juste adhéré à un autre sujet. Mais après cette discussion, je peux aller étudier la Torah. Et pourquoi on dit Yoresh Gehinom? Parce que celui qui discute trop avec sa femme, il va descendre le Gehinom. Parce que c'est quoi le Gehinom? C'est l'endroit de disparition, c'est l'endroit de anéantissement, c'est l'endroit de destruction. Donc ceux qui sont concernés par le Gehinom, c'est ceux qui se sont détruits, ceux qui se sont anéantis. Évidemment que la femme a autant de place que l'homme au Gan Eden. Autant. Mais lorsque l'homme quitte son identité masculine et adhère à la féminité, donc vu qu'il s'est détruit, vu qu'il s'est anéanti parce qu'il a perdu ce qu'il est censé être, donc il est concerné par le Gan Eden qui concerne les gens qui ont perdu ce qu'ils sont censés être.
Le Maral rapporte un passage de la Gemara très intéressant qui dit que tout celui qui suit les conseils de sa femme finira au Guéhinnom. C'est marqué dans Baba Mitzia, dans la Gemara. Alors, sur place, Rav Papa intervient à Ija Abaye. Papa Ija Abaye, mais pourtant les gens ils disent que si tu es une femme de petite taille, eh ben penche-toi vers elle, discute avec elle et tends l'oreille à ce qu'elle va te dire. Donc, comment les gens ils peuvent dire ça? Que même sa petite taille, bah, efforce-toi, courbe-toi, fais-toi mal pour écouter ce qu'elle va te dire. Et toi, tu viens de dire que celui qui écoute les conseils de ta femme, de sa femme, il finit au Guéhinnom, c'est contradictoire. Alors, il lui répond, pas du tout. Quand je t'ai dit qu'il faut pas suivre les conseils de la femme, c'est lorsqu'elle te parle du monde en règle générale. Mais si elle te parle de la maison, faut l'écouter. Il y a une autre version qui dit que non. Si elle te parle des sujets spirituels, faut pas forcément l'écouter. Mais les sujets matériels, faut l'écouter. Le Maral d'expliquer qu'en réalité, chacun par rapport à un homme et la femme tels qu'ils ont été créés, ils ont été créés avec une certaine prédisposition dans certains domaines, par rapport au rôle qu'on a parlé. La femme, elle en tant que matière, elle est beaucoup plus pragmatique, elle est beaucoup plus concrète. Donc dans les choses qui sont concrètes, dans les choses du monde, dans les choses de la maison, c'est elle qui sent plus les choses. Lorsqu'on parle d'éducation avec notre femme, elle sent plus les choses que nous-mêmes. Lorsqu'on parle de gérer la maison, elle sent plus les choses que nous-mêmes parce que Dieu l'a créée de cette manière-là. Et donc lorsqu'elle nous dit quelque chose, oui, il faut l'écouter. Et il faut l'écouter. Dans d'autres sujets où le mari a plus de prédisposition à ça, comme dans le spirituel, je ne dis pas que la femme est moins spirituelle, mais vu que le mari est plus concerné par les mitzvot, et plus concerné par l'étude de la Torah, donc dans la vision spirituelle du foyer, c'est le mari qui est censé être le moteur. C'est le mari qui est censé indiquer la marche à suivre. Et pas forcément suivre la pensée de la femme. Parce que la femme, elle est plus matière, et pas forcément elle verra les choses dans l'optique du mari. Maintenant qu'on a expliqué ça, on comprend pourquoi Yaakov, il a fait d'abord passer les garçons avant les filles. Parce que c'est un homme. Et en tant qu'homme, on est censé mettre plus d'importance à la vision masculine que la vision féminine. Et ça, ce qu'il a fait, c'est une catastrophe. Et ça, c'est un homme. Et que nous dit Rachid, il a fait passer les filles avant les garçons. Ça veut dire qu'il a... C'est ça ce que j'ai voulu dire, que ça, c'était le premier féministe. Dans le sens que les femmes, ça passe avant, etc. Mais non, en tant qu'homme, tu dois rester à ta place et mettre l'importance à la vision masculine. Et une femme devra mettre d'importance plus à la vision féminine. Parce que Dieu nous a créés différents, avec un rôle à jouer différent. Et donc chacun doit jouer son rôle et doit respecter et garder son identité. Maintenant, évidemment, le rabbi va encore beaucoup plus loin. Le rabbi nous dit que c'est connu, c'est un adage chassidique, qui nous dit que dans les Rachid, c'est connu comme étant un pashtan, quelqu'un qui explique les choses simplement. Mais Rachid va beaucoup plus loin. C'est un adage chassidique qui dit que dans les commentaires du Rachid, il y a ce qu'on appelle Yéna Shel Torah, le vin de la Torah. Il y a les secrets de la Torah dans Rachid. Et donc, le rabbi va nous donner un enseignement extrêmement fort pour nous aujourd'hui, dans les dernières générations, dans le Rachid qu'on a étudié. La raison profonde pourquoi Rachid a rapporté le comportement de Esav dans un verset qui parle de Yaakov. Qu'est-ce que ça vient faire ici? On parle de Yaakov et toi tu nous parles de Esav. En plus on avait dit que normalement Rachid relève une problématique lorsqu'elle apparaît. Donc normalement lorsqu'on parle de Esav, pas lorsqu'on parle de Yaakov, on ne sait même pas encore ce que va faire Esav. Donc pourquoi tu nous parles de Esav lorsqu'on parle de Yaakov? Alors le rabbin nous expliquait que même si d'un point de vue du regard de la Torah, le masculin passe avant. Parce que comme c'est marqué au tout début de la création, vous voyez Michel Bar, que lui, l'homme va te dominer. C'est marqué depuis la faute de la dame et Chava, que l'homme va dominer la femme. C'est lui qui va un petit peu la conquérir, qui va un petit peu la surpasser. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Malgré cela, on trouve de temps en temps dans la Torah où la femme a plus de valeur, où la femme a plus d'importance, où la femme passe avant. Comme on le voit clairement dans la paracha de Vayera, qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Tout ce que te dit ta femme Sarah, tu écoutes. Quand Sarah lui a dit « Renvoie Ishmael et Agar parce qu'il est en train de mal influencer Yitzhak », donc le foyer, la maison, et Abraham il dit « Mais c'est mon fils, Ishmael, que Dieu lui dit, fais tout ce que Sarah va te dire. » Non seulement ça, et même on dit à propos des temps messianiques,
dans la prophétie d'Irmiaou, Nekeva te sovev gever, que la femme entourera l'homme, c'est-à-dire que la femme surpassera l'homme. Qu'en réalité, que lorsque Mashiach viendra, on dévoilera la grandeur des femmes. Aujourd'hui, les femmes, on voit pas forcément leur grandeur. La pensée du monde, c'était que l'homme était supérieur à la femme. Lorsque Mashiach viendra, on verra les choses complètement différemment. On comprendra en réalité la grandeur qui se cache derrière les femmes. C'est pour cette raison que je voulais dire pourquoi l'émancipation des femmes est arrivée dans les dernières générations. On va répondre à cette question à la fin, mais c'est lié évidemment à l'avenir du Mashiach. D'après cela, on comprend pourquoi Rashi a voulu allusionner en disant que Esav, il a fait précéder les filles avant les garçons lorsqu'on parle de Yaakov. Pourquoi ? Parce que même si on parle de Yaakov, c'est-à-dire des Kdusha, la vision positive, la vision sainte, la vision de la Torah, Yeshna Nagakazo, il existe aussi ce comportement-là. C'est même si dans la vision de la Torah, le masculin passe avant le féminin, mais même dans la vision de la Torah, il doit avoir une place où le féminin passe avant le masculin, seulement dans la avoda de Esav qui se trouve dans Yaakov. C'est-à-dire que dans Yaakov, il y a une part de Esav. C'est-à-dire qu'en chacun d'entre nous, où on a un rôle à jouer en tant que Yaakov, mais aussi en chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer en tant que Esav. Et dans notre rôle à jouer en tant que Esav, le féminin doit passer avant. Ça veut dire que le comportement de Esav, comme on l'expliquait jusqu'à maintenant, c'était quelque chose de négatif, de péjoratif. Esav fait allusion à un comportement qu'on doit aussi adopter. Pas forcément de manière générale, mais dans certaines circonstances, lui, on doit faire passer la vision féminine avant la vision masculine. Comme on va l'expliquer. On l'a déjà étudié, il me semble, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, que même Esav, en tant que fils de Yitzhak, il est né avec des forces, il est né avec des capacités pour servir Dieu. Ça reste le fils de Yitzhak, ça reste le petit-fils de Avraham, c'est pas n'importe qui. Donc il est né avec un potentiel énorme, avec un potentiel, une certaine voie de pratique de Torah et Mitzvot. On avait fait tout un cours sur ça, qu'en réalité il y avait 2 voies d'études de pratique de Torah et Mitzvot, la voie de Yaakov et la voie de Esav. La voie de Yaakov, c'est la voie, l'autoroute, c'est-à-dire que étudier Torah et Mitzvot. La voie de Esav, c'est Kovesh et Chitzro, conquérir son Yitzhara. On a des tendances, on a des désirs, on a des passions, on a des envies, on les canalise, on les exprime pas. Ça, c'était le travail de Esav. C'est pour cette raison, parce qu'on avait posé la question, pour ceux qui s'en souviennent, mais comment Esav, dans le ventre de sa mère, où on est censé recevoir l'enseignement de l'ange de toute la Torah, il est attiré par les idolâtries? Dans le ventre de sa mère, il est attiré par les idolâtries? Comment c'est possible, alors qu'on est censé être dans un moment de grande spiritualité avec l'ange qui nous enseigne la Torah? Non. Le rabbi nous avait expliqué dans une autre sira, parce qu'en réalité, Esav, il était porteur d'une certaine manière de servir Dieu, qui consiste à aller contre ses désirs, contre ses envies. Yaakov, lui, il est porteur d'un autre service de Dieu, qui consiste à faire Torah et Mitzvot. Pas faire taire le mal, mais à dévoiler le bien. Et même, Esav, c'était le Béchor, c'était le premier-né, donc ça veut dire qu'il a une place dans le service de Dieu, qui est même une place première par rapport à celle de Yaakov. Seulement, il a choisi autre chose. Il avait un potentiel extraordinaire, mais il y a le libre arbitre. Il a choisi de se détourner du droit chemin. Yatsav et Nifrad Mekdushat Yitzhak, il est sorti, il s'est séparé de la sainteté de Yitzhak. Et c'est ça ce que nous dit Rashi au tout début de la paracha de la semaine dernière. Veletoldot Yitzhak, Yaakov, voici les descendants de Yitzhak. Et Rashi nous dit, Yaakov et Esav amourim be paracha. Yaakov et Esav qui sont dits dans la paracha. C'est-à-dire que Esav fait partie des enfants de Yitzhak. Et il est dit dans la paracha, ça veut dire qu'il existe Esav dans la Torah. La notion d'Esav, l'entité Esav, l'identité Esav a une place dans la vision de la Torah. Esav n'est pas juste un personnage qui représente le mal. Esav est un personnage qui représente aussi une certaine vision de la Torah. Seulement malheureusement, il ne l'a pas concrétisé. Mais à l'origine, c'était une vision de la Torah, une manière de servir Dieu. Et puisque Esav s'est détourné du droit chemin, alors, il faut que le travail de Esav soit fait par quelqu'un d'autre. Esav était porteur d'un travail, était porteur d'une certaine vision de la Torah, d'une certaine pratique du Torah et Mitzvot. Mais Esav n'a pas accompli sa mission. Donc, quelqu'un d'autre doit remplir sa mission à sa place. C'est Yaakov. Donc, Yaakov, il doit à la fois remplir sa mission en tant que Yaakov, mais aussi accomplir la mission de Esav, parce que Esav, il a laissé tomber.
il n'a pas fait, c'est détourner du droit chemin. Et il en est de même par rapport à ce qu'on dit. Ça que le comportement de Esav, il voyait dans la féminité une supériorité par rapport au masculin, on avait dit que c'était quelque chose de péjoratif, de rabaissant. Mais ça, c'est dans la vision d'Esav telle qu'il est sorti de Yitzhak. Oui, le comportement d'Esav, comme on l'a expliqué, dans la vie qu'il a empruntée, bah oui, faire passer le féminin avant le masculin, c'était tout à fait négatif. Parce que lui, c'était pas la vision qu'on va expliquer maintenant. C'était la vision que pour lui, c'était un coureur de jupons, quelqu'un qui pensait qu'aux femmes, il s'en foutait complètement des enfants. Mais il y a ce comportement-là de manière tout à fait positive. Le Esav, le vrai Esav qu'on était censé avoir. Et ce Esav-là, lui, fait passer le féminin avant le masculin. Mais vu positivement. Le masculin et le féminin, l'homme et la femme, font référence à deux manières de servir Dieu. Le travail du cerveau et le travail du cœur. Nous avons deux organes fondamentaux dans le corps, qui sont le cerveau, la réflexion, siège de la réflexion, de la déduction, de la connaissance, et le cœur, qui est le siège des émotions, des sentiments. Et en réalité, le cerveau et le cœur expriment la différence entre l'homme et la femme. L'essentiel de la réflexion, de l'étude, se trouve chez l'homme. Et la particularité de la femme par rapport à l'homme, c'est les sentiments, c'est les émotions. La femme est beaucoup plus émotive qu'un homme. Un homme est beaucoup plus logique qu'une femme. On va expliquer. Et dans chacun, évidemment, il y a une grandeur que l'autre n'a pas. Un cerveau sans cœur, un cœur sans cerveau. Il faut qu'il y ait les deux. Et chacun a une supériorité que l'autre n'a pas. La supériorité du cerveau de l'intellect, c'est que l'homme voit les choses avec son intellect. Il voit les choses objectivement, sans intérêt. Le regard du cerveau dans une situation, c'est qu'il recherche la véracité des choses. Il recherche la réalité. Un cerveau, c'est objectif. Alors que les sentiments de l'homme, ils vont détourner les choses, ils vont nous pousser à voir différemment, comme on l'avait étudié par rapport au déluge. Par rapport au chochrad, par rapport au pot de vin, mais comment un juge il peut changer le jugement alors que normalement il y a un jugement. Mais en réalité, ça dépend de la situation dans laquelle il est, comment il voit la situation, par rapport à la relation qu'il a avec la personne. Il va voir les choses différemment. Il y a l'objectivité, il y a la subjectivité. La femme, elle est porteuse de subjectivité. L'homme, il est porteur d'objectivité. C'est-à-dire l'homme, le cerveau, la réflexion, elle est capable de définir les choses réellement avec vérité et pas d'être influencé par quoi que ce soit. À l'autre opposé, de l'autre côté, les émotions sont supérieures au cerveau. Pourquoi ? Parce que la nature de l'intellect, c'est la froideur. Sans émotion. Imaginons que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui a perdu un proche. Il parle à quelqu'un, voilà, ou quelqu'un a une situation difficile. Et l'autre lui répond, ah, je comprends. Mais c'est horrible, une réponse pareille. C'est-à-dire que la personne n'a fait fonctionner que sa tête. Mais c'est pas ce que j'attendais de ta part. J'attendais que tu aies de l'empathie, que tu aies des émotions, que tu sois touché par ce que je suis en train de te raconter. Donc en réalité, le cerveau, même s'il a une grandeur dans sa capacité à voir les choses objectivement, réellement, à définir vraiment les choses, mais un cerveau, c'est froid. Et dans certaines situations, utiliser son cerveau, c'est destructeur. Alors que les sentiments, ça crée une chaleur, ça crée une émotion, ça crée une envie et ça crée une intensité. Nous voyons deux travailleurs, deux ouvriers. Quelqu'un qui comprend sa tâche à suivre et quelqu'un qui est passionné par sa tâche. Bah, quelqu'un qui comprend, il va faire. Il va s'arrêter au minimum. Il sait comment le travail fonctionne, il va juste se suffire de ça. Mais quelqu'un qui est passionné par son travail, il va faire les choses d'une manière complètement différente. Pourquoi ? Parce que son cœur, il est touché par ça. Parce que son cœur joue un rôle dans le travail. Et donc, il est évident que dans certaines situations, le cœur peut être détériorer la situation parce qu'elle va empiéter sur le rôle du cerveau en faisant en sorte de ne plus regarder les choses objectivement, mais subjectivement. Et donc, on va plus être dans la vérité. Dans une autre situation, se suffire uniquement du cerveau, ça va être destructeur. Et ça va réduire les choses supplémentaires qu'on pouvait obtenir si nos cœurs aussi jouaient un rôle. Donc qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit que et le cerveau a un rôle important à jouer, et le cœur a un rôle important à jouer, et que les deux sont évidemment complémentaires.
Et c'est ça en réalité les différences lorsqu'on fait passer d'abord le masculin avant le féminin ou le féminin avant le masculin. L'ordre des choses comment le monde a été créé, c'est que l'homme domine la femme, comme on l'a dit. Le masculin avant le féminin. Parce que dans l'ordre voulu des choses, c'est que c'est le cerveau qui domine le cœur. Moar shalit alev, comme dit la demande de l'Etania. C'est que dans n'importe quelle situation de notre vie, on se doit de faire passer notre cerveau avant notre cœur, que notre cerveau dicte notre cœur, la marche à suivre et comment on doit se comporter et ne pas juste être assujetti à nos émotions, à nos passions, à nos désirs. Les émotions se doivent d'être dirigées par l'intellect. Parce que si un homme suit ses tendances émotionnelles, son cœur, alors il peut arriver à endommager ses capacités intellectuelles. Elle n'est plus être capable de réfléchir. Quelqu'un qui ne fait que, c'est le cœur qui parle. Mais ce n'est pas le cœur qui doit parler, c'est le cerveau qui doit parler. C'est le cerveau qui doit dire la démarche à suivre, qui doit orienter où est-ce que les émotions s'expriment. Et non seulement, et ça c'est très fort, non seulement quelqu'un qui laisse aller à ses émotions et pas donner de place à la réflexion, ça va être destructeur pour la tête, mais ça va aussi être destructeur pour le cœur. Quelqu'un qui est extrêmement bon, il est bon avec son entourage, trop généreux. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va s'en rendre compte? Que les gens autour de lui se moquent de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'autre extrême et dire « Maintenant, je ne suis plus quelqu'un de bon, je ne suis plus généreux, j'en veux à tout le monde. » Ça a été destructeur pour ses émotions. Ça veut dire qu'il a laissé exprimer ses émotions. Résultat des courses, il les a détruites. Ça paraît totalement paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que si un homme, il laisse aller ses émotions et ne laisse pas la place au cerveau de faire son rôle de cadrer, de régler, d'atténuer et de faire en sorte que oui, tu vas être généreux, mais à une certaine limite, mais si le cerveau ne joue pas son rôle, la générosité va déborder, la personne va, les gens autour peut-être vont le prendre pour un idiot, ils vont profiter de sa gentillesse, à un moment donné, il va en avoir ras-le-bol, il va plus être gentil et donc il a détruit ses émotions originelles. Alors que si on avait fait intervenir notre cerveau et qu'on aurait pu dire « Mais non, si j'ai fait intervenir mon cerveau, si je limite, bah malheureusement, je réduis mes émotions. » Non. Tu vas leur permettre d'exister, d'être pérenne, de pouvoir rester. Tu vas tout le temps rester généreux. Tu vas tout le temps être quelqu'un de gentil. Parce que tu les as réglés de manière où il n'y aura pas de débordement. Mais si tu les laisses trop aller, à un moment donné, tu vas prendre conscience que ce n'était pas forcément un bon comportement à avoir. Tu vas aller à l'autre opposé et il n'y aura plus de gentillesse, il n'y aura plus rien. Et donc, uniquement lorsque les émotions se comportent et sont dirigées et orientées par le cerveau qui se trouve dans le cerveau, par l'intellect qui se trouve dans le cerveau, azai, chemdatalev, alors là, les désirs du cœur. Et donc, automatiquement, le comportement de l'homme, il est comme il faut. Donc ça, c'est, en règle générale, c'est comme ça qu'un homme doit se comporter, le cerveau avant les émotions. En règle générale. Mais parfois, il y a des situations où l'homme se doit de servir son créateur, parce qu'évidemment ici on parle de servir Dieu, quelqu'un qui laisse aller à ses désirs, à ses passions, et pas réfléchir et de se dire que la parole de Dieu, la parole de la Torah prévaut, c'est évident qu'il va arriver à des catastrophes qu'on avait souvent étudiées, que lorsqu'un homme laisse aller à son cœur, il va être pire qu'un non-juif, il va être pire qu'un animal, parce qu'il va devenir extrêmement grossier. Donc c'est pour cette raison que dans notre service de Dieu, on doit d'abord faire passer notre réflexion avant nos émotions. Il y a certaines situations où non. Il y a certaines situations où pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut aller au-delà de la logique. La logique ne suffit plus. La logique et même la réflexion est même destructeur dans cette situation. Lorsqu'il y a trop de voile, lorsqu'il y a trop d'obscurité, lorsqu'il y a trop d'opposition à notre service de Dieu, on a du mal à servir à Kadosh Baruch Hu. Les situations de notre vie nous empêchent de le faire. Il y a des gens qui veulent nous empêcher d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Alors là, évidemment, ça ne suffit pas uniquement d'utiliser notre logique. Parce qu'avec notre logique, on voit notre entourage. Les gens prospèrent pas forcément en respectant Shabbat. Les gens prospèrent pas forcément en mangeant kasher. Avec ma logique, j'aimerais bien prospérer dans ma vie. J'aimerais bien adhérer à comment le monde se comporte. Je vais me comporter comme eux. Il y a des gens qui veulent m'empêcher de Torah Mitzvot, c'est très dur de continuer à faire Shabbat dans mon travail, c'est très dur de faire ci, c'est très dur de faire ça. La logique me dit, bon, je vais laisser ça de côté. Et bien là, justement, il faut faire l'inverse de ce qu'on a dit depuis le début. Là, il faut avoir un service de Dieu qui est beaucoup plus fort,
et que le cerveau n'est pas capable de nous le procurer. Comment on se procure un service de Dieu très fort avec le cœur? C'est que de manière générale, c'est le cerveau qui doit dominer le cœur. Dans des situations où on a des oppositions, on a des barrières, on a des adversaires, le cœur doit prévaloir au cerveau. Que même si toute la logique du monde nous dit ne étudie pas la Torah, ne va pas au cours, ne mets pas les tefillines, ne mange pas kasher, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que c'est très compliqué, tu as des examens, je sais pas si tu es à la fac, tu as des examens le Shabbat, si tu vas pas, ça va être une catastrophe, tu vas redoubler. Tu prends ton cerveau et tu l'envoies dormir. Tu fais passer ton cœur il est attaché à Kadosh Baruch Hu, tu dois faire en sorte que la Torah doit prévaloir à ce moment-là et tu mets de côté la logique. Comme c'est expliqué en Chassidut, que l'essence même de la Neshama se dévoile précisément dans le cœur que dans le cerveau. On a tous une âme, mais quand est-ce que l'essence même de la Neshama se dévoile précisément dans le cœur que dans le cerveau? Alors le Rabbi, dans la Sikha, il rapporte, je vais essayer de faire un résumé, il rapporte dans la référence un Mahamar du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. L'un de ses discours, c'est de l'année 5666. C'est des discours du Rabbi Rachab qui sont fondamentaux, extrêmement fondamentaux de la vision du monde. C'est-à-dire qu'il explique toute la base de la chassidut là-dedans. Les notions les plus fondamentales de la création du monde, de ce que Dieu attend de nous, de comment Dieu a créé le monde, etc. Et à un certain passage, le Rabbi Rachab explique longuement la place de ce qu'on appelle Pnimiut HaLev, la profondeur du cœur, le rôle du cœur par rapport au cerveau. Et il nous dit que la profondeur du cœur, c'est-à-dire l'attachement profond, eh bien, à travers le cœur, on peut s'attacher à l'essence même de Dieu. Il donne l'exemple comme l'attachement entre un fils avec son père. L'attachement entre un fils avec son père n'est pas un attachement logique et raisonné. Cet attachement-là provient uniquement de l'âme. L'âme du fils provient du père. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui est charnel. Le père et le fils se considèrent comme étant presque la même personne. Et donc, automatiquement, cet attachement-là, on ne s'attache pas aux qualités de la personne, on s'attache à l'essence même de la personne. Le fils n'est pas attaché au père parce que le père est intelligent, parce que le père il est riche, parce que le père il est beau, etc. Le fils est attaché au père parce que c'est son père. Le père est attaché à son enfant, pas parce qu'il est fort à l'école, parce qu'il est fort en sport, pas parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, mais parce que c'est son fils. On ne s'attache pas par rapport à l'aspect superficiel de la personne, on s'attache par rapport à l'essence même de la personne. Évidemment, ça ne ressemble pas à la relation d'amour entre un homme et un ami. Même s'il est vrai que cet amour d'amitié peut être fort, peut être intense, mais il y a des raisons à cet amour. Soit parce que cette personne m'a fait du bien, ou parce que je considère que cette personne, c'est une grande personne, c'est une personne de haute stature. Et donc c'est pour cette raison que je l'aime et que j'ai envie de m'attacher à elle. Mais pour que cet amour s'exprime, il faut que j'y réfléchisse aux raisons de cet amour. En quoi cette personne a été bonne pour moi, en quoi cette personne m'a fait du bien, ou que j'ai compris son statut dans la société, son rôle qu'il joue, son importance. Et lorsque j'aurai compris toute sa grandeur, alors automatiquement je vais être attaché à lui et je vais être dévoué pour lui. Mais ça, c'est précisément si j'ai compris sa grandeur. Mais sans ce travail-là de réflexion, je ne serai jamais attaché à lui. Donc ça veut dire que l'amour que j'ai pour cette personne, elle est conditionnée à ma réflexion. J'ai compris sa grandeur, j'ai compris son rôle dans la société, j'ai compris ce qu'il a fait pour moi, et uniquement parce que j'ai compris, alors je suis attaché à lui. Donc automatiquement, cet amour, cet attachement, n'est pas l'essence même du personnage, mais à sa personnalité, à ce qu'il est, à ce qu'il fait, pas son identité, pas son essence. Pourquoi? Parce que les raisons de cet amour, c'est justement ce qu'il fait, justement ce qu'il a fait. Donc vu que les raisons de cet amour que j'ai pour lui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait, donc je ne suis pas attaché à la personne, je suis attaché à ses actions. Et puisque je suis attaché à ses actions, c'est à travers ses actions que je vais l'aimer, mais pas la personne. Par rapport à son bon comportement, par rapport à sa bonne réflexion. Et donc, automatiquement, mon attachement ne sera conditionné uniquement par rapport à ça, lo be'atzmut shelo mamash, mais pas à son essence. Mais l'amour d'un père pour un fils n'est pas par rapport au bien du fils,
pas par rapport à sa grandeur, même pas par le fait que moi, en tant que père, que je l'influence, mais juste parce que etzem echad imo, parce qu'on est une seule et même personne. Et pour ça, on n'a pas besoin de réfléchir. Il n'y a aucune raison à l'amour, à l'attachement qui existe entre un père et son fils, au point qu'on ait besoin d'y réfléchir pour que je l'aime. J'ai pas besoin de réfléchir pour aimer mon enfant. Et que si je réfléchis pas, ben je pourrais pas l'aimer. On voit bien dans notre vie que c'est jamais arrivé à lui, je vais réfléchir. Pourquoi j'aime mon enfant, comme ça je vais l'aimer. Non, c'est instinctif. Parce qu'il y a un lien d'essence. Et donc automatiquement, cet attachement-là n'est pas aux actions de la personne, mais à l'essence de la personne. Parce qu'il n'y a pas de cause. S'il y avait des raisons de cet amour, s'il y avait des raisons à cet attachement-là, donc je serais attaché aux raisons. Je serais attaché aux actions de la personne. Mais puisqu'il n'y a pas de raison, puisque c'est un attachement qui est essentiel, donc je suis attaché non pas, imaginons que je parle d'un enfant vis-à-vis de son père, je ne suis pas attaché parce que mon père, c'est quelqu'un qui a un beau métier, ou parce que mon père, il a beaucoup d'argent, ou parce que mon père, il m'a acheté la PS5, ou je ne sais quoi. Mais je l'aime parce que c'est mon père, point. Et à l'inverse aussi, un père vis-à-vis de son fils. Et cet amour-là et cet attachement-là, il est continu. Seulement, de temps en temps, cet amour-là, il peut être voilé, peut être caché, peut pas forcément être très intense. Et donc, on a besoin de le réveiller. Et donc, parfois, pouvoir le réveiller, c'est peut-être par la distance. Ou parce que je me rappelle, mais c'est mon père. J'ai besoin d'un petit rappel. Ou un moment de distance où je ne le vois pas pendant assez longtemps, je me dis, mais... Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon père, faudrait que je l'appelle, faudrait que j'aille le voir. Et à l'inverse, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon fils, faudrait que j'aille le voir. Donc, en réalité, l'amour naturel n'a pas besoin de réflexion pour pouvoir le créer, le produire. Mais parfois, avec le temps, ça peut s'atténuer. Donc, on a besoin de petits rappels, on a besoin de peut-être que, justement, l'éloignement va pousser à intensifier cet amour-là. C'est pour cette raison qu'on voit que c'est précisément le fils qui est capable de réveiller l'essence même du père, alors qu'une autre personne n'est pas capable de réveiller l'essence même du père. Il donne un exemple. Imaginons qu'un enfant crie. Papa. Un enfant, il se fait mal. Notre enfant, il s'est fait mal dans la maison. Il crie papa. On n'a même pas besoin de réfléchir. On saute tout de suite de la chaise, on court. C'est instinctif. Mais qui est capable de faire en sorte que, là, c'est l'essence de la personne qui parle. La personne n'a même pas réfléchi. Le corps, il a bougé tout seul. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est capable d'atteindre l'essence du père. Mais si c'était l'enfant d'une autre personne qui, au cri « Ah, j'ai mal », n'aurait pas bougé de la même manière. Pourquoi? Parce qu'un autre enfant ne réveille pas l'essence. Il n'y a pas un lien d'essence. Le lien d'essence, il est créé par cette relation de père à fils. Le fils, il crie instinctivement, on bouge, sans même réfléchir. Parce que le fils, il est capable de toucher l'essence du père. Et puisqu'il est capable de toucher, il crie, on bouge tout de suite. Un autre enfant, on va bouger, mais pas aussi rapidement. Parce que l'essence n'aura pas été touchée. Très bien. De la même manière qu'un fils réveille l'essence du père, pareil, les neshamot des Bnei Israël sont liés à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu et peuvent attirer l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison qu'on dit à propos de Dieu, Let Machashava Tfisa Beklal. Il y a une phrase comme ça du Zohar qui dit « Aucune pensée ne peut te saisir ». Et on précise « Aucune pensée ne peut te saisir ». Notre réflexion ne peut pas s'attacher à ton essence. Parce que tu es inatteignable. Mais autre chose peut s'attacher à ton essence, notre cœur. Notre relation en tant que béni Israël et toi en tant que Dieu, on peut dévoiler ton essence. Pardon, on peut attirer ton essence ici-bas sur terre grâce à notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on a une relation d'essence, comme un père avec un fils, et non pas une relation d'amis qui est dépendante d'une réflexion. Une relation d'amis qui est dépendante d'une réflexion, la réflexion va pousser à l'amour de se dévoiler, mais cet amour-là ne va être orienté uniquement par rapport à la réflexion qui m'a poussé à cet amour-là. Ça veut dire aux actions de la personne. Ce qu'il m'a fait, ce qu'il fait, son rôle dans la société. Mais pas ce qu'il est. La relation entre un père et un fils, c'est pas une réflexion, c'est naturel. Et donc là, il y a un attachement d'essence. Et par rapport à nous, il y a Kadosh Baruch Hu, cet attachement d'essence ne peut pas être produit par la réflexion, mais il peut être produit uniquement par
le cœur. C'est pour cette raison que dans des situations où on nous empêche d'étudier la Torah, on nous empêche de pratiquer les mitzvot, où il y a des embûches, où il y a des obstacles, la réflexion ne peut pas nous permettre d'agir dans ces circonstances-là. Pourquoi ? Parce que la réflexion, elle est limitée. Parce que dans ces circonstances-là, on nous empêche de faire Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qui va nous pousser à faire Torah et Mitzvot malgré toutes les embûches ? C'est notre attachement d'essence avec Dieu. Et notre attachement d'essence avec Dieu, c'est pas la tête qui la dévoile. C'est le cœur. Et là, le Rabbi Rachab, il rajoute quelque chose de très intéressant. Il dit, mais le cœur, il est plus bas que le cerveau. C'est le cerveau qui produit les émotions. Parce que j'ai réfléchi, et donc ça crée des émotions. Donc comment le cœur, il peut produire quelque chose, c'est que le cerveau lui-même n'est pas capable de produire. Alors que le cerveau est supérieur au cœur. Alors il rentre dans des considérations kabbalistiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que même s'il est vrai que le cerveau dévoile les émotions, par exemple que pour aimer quelque chose, j'ai compris que cette chose-là va m'apporter un bonheur, va m'apporter un plaisir, mais même si le cerveau a créé l'émotion, au fur et à mesure que j'ai laissé l'émotion se développer, s'exprimer, elle peut même dépasser la raison. C'est-à-dire que normalement, c'est ma tête qui a produit cette émotion, mais des fois, cette émotion va me pousser à avoir un comportement qui est totalement illogique. Pourquoi ? Parce que même s'il est vrai que le cerveau produit une émotion, mais l'émotion dans sa racine, dans sa source, elle est supérieure. On donne souvent l'exemple pour expliquer ça, en réalité entre l'homme et la femme. Dans le monde dans lequel on est, l'homme est supérieur à la femme. Et donc l'homme influence la femme. Mais après que la femme ait reçu l'influence du mari, la femme va dévoiler des capacités que l'homme lui-même n'a pas. Pour quelle raison ? Parce que la femme prend sa source d'un niveau beaucoup plus élevé que l'homme. On a souvent étudié que le monde, il a été créé comme un mur qui tombe. Ça veut dire que les pierres les plus hautes du mur, lorsque le mur va tomber, vont descendre dans les niveaux les plus bas. Alors que les pierres les plus basses, elles restent à leur place au niveau les plus hauts. Le monde a été créé de cette manière-là. Ça veut dire que les choses les plus élevées spirituellement dans ce monde se trouvent dans les choses les plus basses. Et les choses les plus basses spirituellement se trouvent dans les choses les plus hautes dans ce monde. Le fait que dans notre monde, on a l'impression que l'homme est supérieur à la femme, c'est pas qu'une imprise, c'est que le monde a été créé de cette manière-là où l'homme doit dominer la femme. Mais d'un point de vue de la source spirituelle, la femme est supérieure à l'homme. C'est pour cette raison que dans la conception d'un enfant, qui joue le rôle le plus essentiel ? La femme. C'est la femme qui crée l'enfant, c'est pas l'homme. On explique en Chassidoute que l'homme, ce que donne l'homme dans la conception d'un enfant, c'est juste pour réveiller la capacité chez la femme et mettre en place le mécanisme de cycle et pour créer l'enfant. Comme il s'expliquait en Chassidoute, car était le spermatozoïde du mari, il va permettre de trier, de faire le tri dans l'ovocyte de la femme et faire en sorte que c'est cette partie-là qui va créer l'embryon et que toutes les autres parties qui sont secondaires et moins importantes vont créer le placenta. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, la femme, elle tire sa source de l'essence même de Dieu. Qui est capable de créer à partir de rien, comme un enfant ? Dieu lui-même. Où est-ce que Dieu a mis sa capacité de création à partir de rien chez la femme ? Maintenant, l'essence de Dieu, par définition, elle est voilée. Puisqu'elle est voilée, chez la femme, la capacité d'avoir des enfants, elle est voilée. C'est pas elle qui peut créer immédiatement. Elle attend qu'il y ait quelqu'un qui réveille ça. Parce que l'essence, elle est voilée, et le dévoilement, par définition, il est dévoilé. Le mari, il joue son rôle de tout ce qui est dévoilé. La femme, elle joue son rôle de tout ce qui est caché. Et vu que le mari joue son rôle de tout ce qui est dévoilé, donc c'est lui qui commence pour la conception d'un enfant. Il va dévoiler les capacités de la femme, et la femme, lorsqu'elle aura été influencée par le rôle du mari, elle va dévoiler ses capacités et ensuite créer l'enfant. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que dans la relation entre le cerveau et les émotions, le cerveau crée l'émotion, mais lorsque l'émotion a été créée, elle est capable de produire une émotion, une situation que le cerveau lui-même ne peut pas supporter. Et de là, on comprend pourquoi que dans certaines situations, on doit faire plus passer parler le cœur
avant la tête. Et c'est ça ce que Rashi voulait nous dire. Lorsqu'il nous dit que Yaakov, il a fait passer le masculin avant le féminin, alors que Esav, il a fait passer le féminin avant le masculin. Le travail de Yaakov, qui était Ishtam Yeshev Oalim, un homme qui était dans les tentes, où tout va bien. On n'est pas dans le monde extérieur. On est dans les tentes en train d'étudier la Torah. Lorsque tout va bien, on suit l'ordre naturel des choses. Le masculin avant le féminin. La réflexion avant les émotions. La réflexion doit cadrer les émotions. Et les émotions doivent être influencées par la réflexion et ensuite influencer le reste du corps. Mais le travail des saves, et ça c'est qui? C'est Ishsadeh, c'est l'homme qui est dehors. Pas dans les tentes où on étudie la Torah toute la journée. Dehors, où il y a des obstacles, où il y a des embûches, il y a des gens qui veulent nous empêcher d'étudier la Torah, où il y a le voilement du monde. Dans ces situations-là, oui, il faut considérer le féminin avant le masculin. Qui bavodazo dans ce travail-là, Yefchar listapek bavoda chez Binuda Vagbala Pisséder. On ne peut pas se suffire d'un travail limité. Quelqu'un qui a que la tête, c'est froid. Dans un monde où on veut nous empêcher de faire Torah et Mitzvot, quelqu'un qui utilise que sa tête, il va être froid, il va se faire bouffer. Il pourra pas étudier la Torah, il pourra pas pratiquer les Mitzvot. Dans cette situation, on veut nous empêcher de faire Torah et Mitzvot. Donc dans le monde dans lequel on est, lui, le féminin, doit passer avant le masculin. Le cœur doit passer avant le cerveau. C'est pour cette raison que Esav, qui est le représentant de Ishsadeh, l'homme du dehors, l'homme de l'extérieur, l'homme où il y a les voilements, où il y a les embûches, où il y a les obstacles, lui, il a considéré le féminin avant le masculin. Et nous, on doit adopter ce comportement-là dans les situations au même titre que Esav. On doit avoir le comportement de Yaakov que le masculin est avant le féminin, la réflexion avant les émotions quand tout va bien. Mais lorsqu'on nous met à l'épreuve et lorsqu'on veut nous empêcher de faire Torah et Mitzvot, on doit être comme Esav. On doit faire passer les émotions avant la réflexion. Parce que la réflexion, elle ne va pas nous permettre d'aller au bout. Elle va nous pousser à faire le minimum syndical. Et le minimum, lorsqu'on nous empêche de faire Torah et Mitzvot, est égal ne rien faire. Quand on veut faire Torah et Mitzvot, lorsqu'on veut nous empêcher de le faire, il faut étudier son cœur. Et c'est la raison pour laquelle on dit que lorsque Mashiach viendra, les femmes seront supérieures. Qui a Gilouim des Lachi de Lavo, parce que tous les dévoilements des temps messianiques dépendent de nos actions en Galout. On est en galoute, on est en voilement, on est en situation d'exil. Comment on peut servir Dieu en situation d'exil? Uniquement si on fait passer le cœur avant le cerveau. Donc puisque, qu'est-ce qui va produire la venue du Mashiach? C'est nos travaux d'attachem en temps d'exil. Or en temps d'exil où on veut empêcher de faire Torah et Mitzvot, quelle est la partie de nous-mêmes qu'on doit plus utiliser? La partie féminine. De puisque pour faire venir le Mashiach, on doit être plus utiliser notre partie féminine que notre partie masculine, c'est tout à fait normal que lorsque Mashiach viendra, qui sera supérieur? Le féminin. Et de là, on comprend pourquoi dans ces dernières générations, ou comme le dit le rabbi souvent, que plus on se rapproche de la venue du Mashiach, plus l'obscurité de plus en plus opaque, de plus en plus sombre, où on nous empêche de plus en plus de faire Torah et Mitzvot, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? L'émancipation des femmes. Parce que c'est Hashgacha Pratique, c'est la providence divine. Alors évidemment que malheureusement, ils les utilisent pas forcément de la bonne manière. Mais c'est un message pour nous dire que puisqu'on se rapproche de la venue du Mashiach, on doit prévaloir le féminin par rapport au masculin, parce que dans la situation dans laquelle on est, se suffire de nos capacités intellectuelles, ce n'est pas suffisant. On ne doit pas être Yaakov aujourd'hui. Évidemment, dans certaines situations de notre quotidien, on doit être Yaakov. Mais lorsqu'on nous met à l'épreuve, on nous veut empêcher de faire Torah et Mitzvot, on doit être comme Esav, en faisant passer le féminin avant le masculin, en faisant passer le cœur avant le cerveau, parce que c'est uniquement de cette manière-là qu'on peut outrepasser les barrières, outrepasser les voilements, outrepasser toutes les obscurités et faire Torah et Mitzvot dans n'importe quelle circonstance.